Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Monsieur Grady, je voudrais que vous veniez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Pourquoi tu me donnes du monsieur Grady? Owen. Si vous n'êtes pas trop débordé. Je suis hyper débordé. Nous avons cette attraction. C'est pas ce que tu disais la dernière fois qu'on s'est vu. Je fais allusion à un dinosaure, monsieur Grady. Owen. Une nouvelle espèce qu'on a créée. Vous avez créé un nouveau dinosaure? Oui, c'est un peu notre travail. Il sera présenté au public dans 3 semaines. Et monsieur Masrani m'a demandé de vous consulter à ce sujet. Tu me consultes ici ou dans mon bungalow? C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On voudrait que vous inspectiez l'enclos pour déceler d'éventuelles failles. Pourquoi moi? Je suppose que monsieur Masrani, vous sachant capable de contrôler des raptors... Ah, tu vois, t'as que le mot contrôle à la bouche. Je ne contrôle pas les raptors. C'est un lien qui s'établit, qu'un respect mutuel rend possible. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de deuxième rancard. Attends, excuse-moi, j'ai jamais souhaité qu'il y en ait un autre. Qui a l'idée d'imprimer un planning pour une soirée à deux? J'aime l'organisation, c'est mon droit. N'importe quoi. Et quel genre de régime proscrit la tequila? Tous les régimes, pour ainsi dire. Ouais. Et quel genre d'homme va à un rendez-vous galant en Bermuda? Il fait chaud en Amérique centrale. Ça va, ça va. Est-ce qu'on pourrait revenir à notre sujet? Merci. Notre sujet? D'accord, je vois. C'est toi le chef, tu dois prendre des décisions. C'est peut-être plus simple de penser que ces animaux sont des chiffres dans un tableur. Mais c'est pas le cas. Ils sont vivants. J'en suis bien consciente qu'ils sont vivants. Ils sortent peut-être d'une éprouvette, mais ils en savent rien. Ils se disent, je dois manger. Je dois chasser. Je dois... Il y a bien ces besoins que tu ressens, non? J'attends dans la voiture. Si vous pouviez changer de t-shirt, ils sont très sensibles aux odeurs. De chasser à la surface de l'eau, où il s'attaquait à tout ce qui passait à portée de ses dents. Que ce soit des tortues, des gros poissons, ou même des petits mosasaures. Bon, voyons maintenant si elle a encore faim, bien qu'elle ait déjà mangé aujourd'hui. Elle est un peu timide, encouragez-la et applaudissez quand elle se montrera. Zach, Zach, c'est le mosasaure.